que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Et oui, les loulous, ça va même très très bien. Aujourd'hui, on va faire quoi? Le sapin de Noël. Oui, le sapin de Noël, ça y est, c'est parti, c'est officiel, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Oui. On a entamé le calendrier de l'Avent, on a fait la lettre au Père Noël, donc maintenant il manquait plus que... Le sapin, et puis décorer la maison. Mais là, on commence déjà par le sapin parce que ça risque de prendre un peu beaucoup de temps d'ailleurs pour décorer toute la maison. Donc là, on va filmer le sapin. Bien sûr, on va faire ça en musique en accéléré, hein. Oui. Ce sera mieux. Et puis on s'occupera aussi de la maison, peut-être qu'on fera ça en plusieurs vidéos, je sais pas, ou dans la vidéo, puis on fera des coupures. Et puis on vous montrera à la fin à quoi ça ressemble. Bah oui. Ok. Oui. Alors pour le moment on a le sapin. J'ai déjà installé les guirlandes lumineuses dedans parce que c'est plus compliqué. Oui. Et puis écoutez, les loulous, vous allez vous débrouiller tout seul pour décorer le sapin. À la limite, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander. Mais sinon, vous débrouillez tout seul, d'accord? Oui. Ok. Et puis moi, je vais m'occuper du reste de la maison. Allez, on met de la musique? Oui. Attention. Musique. Et oui, alors on a fait un thème cette année encore. Et donc on a terminé le sapin, mais pas que. Non, pas que. Aussi la décoration de la maison. Oui, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est un home tour. Des décorations de Noël. Vous voulez faire un home tour décoration de Noël? Oui. Ok, bon, c'est parti. Par contre, juste les amis, vous verrez que Quentin et Océane se sont changés entre temps parce que. On a tourné la vidéo sur plusieurs jours parce que ça a pris du temps de tout décorer. Et moi, du coup, maintenant, j'ai le hockey. Ah, et t'as le hockey maintenant. Bon, voilà. On commence par quoi, alors? On commence par le sapin. Et le joli sapin, il est ici. Il y a ma boule et il y a l'ange d'Océane. Mais... Alors ici, il y a la boule de Corentin qu'il avait fait en maternelle. Moi, j'ai mon préféré tambourin. Et ça, c'est Malé qui nous l'a offert. La boule d'Océane qu'elle avait fait à la maternelle aussi. C'est mamie qui nous l'a offert. Et celle-là, oui, c'est une déco supplémentaire de cette année parce qu'Océane l'a pris dans le sapin de mamie. Et puis comme il était bleu et argenté, du coup, ça allait bien dans le sapin parce que vous remarquerez. Il y en a fait un bleu ou un rose. Moi, j'ai pris le bleu parce que c'était le thème. Et oui, le thème est bleu, blanc, argenté. Il est magnifique, ce sapin. Il ne rentre pas tout. Je vais essayer de reculer. Il faut essayer de le faire tout rentrer, mais ça, je pense pas que ce soit possible. Regardez. Il est immense. On a aussi décoré en gros autour du sapin. Ah oui, je vois qu'il y a un gros effort de décor en bas. La piste de ski. Alors faites-moi les ça. Petits skieurs. Alors la petite piste de ski que Corentin a acheté chez Action. On avait fait le hall d'ailleurs dessus. C'est chouette. Mais en fait c'est que des disques. C'est super chouette, hein. Avec les rois mages là qui sont.
qui sont encore en cadre de votre fameuse crèche Playmobil que les enfants adorent tant. On a la crèche également avec le bœuf, le et tout, oui. Non, la petite crèche, elle est chouette cette crèche, moi j'adore. Vous savez pourquoi il n'y a pas Jésus? Ça c'est quoi? Manon, pourquoi il n'y a pas Jésus? Ben parce qu'il est pas né. Eh oui, mais à Noël. C'est le 25. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est moi qui l'avais fait en moyenne section. Et oui, Océane l'avait fait en moyenne section. Alors ensuite, on a quoi? Alors, on a comment il s'appelle? Un berger. Oui, un berger. Qui avance avec ses moutons, là, il va... Il a son herbe, ouais. Il est chouette. Mais normalement, le bâton, eh ben, il se... En fait, il... Regarde. Il a sa main et là il se met comme ça. Et au bout, il y a un sac. Ok, oui. Il y a un petit baluchon en fait. Ouais. Oui. Et normalement, c'est ça, mais moi j'ai voulu faire un bâton comme il tenait pas très bien. Alors, ici, on a aussi la décoration. Oui, en fait, c'est un petit morceau d'un village parce que tous les ans, on va acheter un petit truc comme ça et après, on va faire tout un village. Ouais. Ici, on a mis donc le fameux trésor du Père Noël. Bon, on l'a cassé un jour, mais ça va, on l'a réparé. Ouais, en fait, Clochette, elle a joué avec, elle l'a fait tomber. Donc, on a réparé la petite hotte là, mais bon, c'est bon. Avec la colle, ça marche super bien. Ça colle bien. Et ensuite, on a le fameux Père Noël que j'adore tant, avec les petits cadeaux qu'on avait déjà. Et regardez. Qui s'éclaire. Et ça, je l'ai eu dans mon calendrier. Ouais, mais ça, tu l'as eu dans tes achimoles sur le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, on est désolés, les amis, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pas? Parce qu'on... Oui, tous les jours parce qu'il y a l'école. Et oui, on peut pas faire ça tous les jours parce qu'il y a l'école. Ça nous pose un peu problème, le calendrier de l'Avent. Avec les devoirs, le trajet, les blocages, enfin un peu tout. Donc c'est un peu compliqué. Désolé les amis, peut-être qu'on fera une vidéo où on présentera tout ce qu'on a eu dans le calendrier. Oui. Pour tout. Ouais, cool. Alors attendez, je vous ai pas montré le Olaf de l'année dernière. Ah oui. Il est juste magnifique, moi j'adore ce Olaf. C'est ma déco préférée. Hein. Là les cheveux, ils vont un petit peu dans le C'est trop marrant, ouais. Avec ça. Voilà pour le sapin et sa déco, bah, son village en fait. Et on continue avec quoi, Loulou? Ouais, après c'est tout le monde fait. Mais par contre, il faut pas filmer. Alors c'est le mur sur lequel on tournait avant. Oui, mais voilà. Mais on a eu un petit souci. Petit souci, peinture d'Halloween et voilà. Voilà, donc on a mis les décos d'Halloween, si vous vous souvenez. Et en fait, elles sont un peu décolorées sur le mur, donc on est obligé de repeindre le mur. Voilà, bon, on se dessus. Il ne faut pas trop filmer tout en haut, là. Et au plafond. Oh, et au plafond aussi, on a des Au plafond aussi, et oui, au plafond. Alors, je vous montre le plafond. Ouais. Ça montre le plafond. Oui. Allez, le plafond, il est décoré de mille feux. Voilà, c'est en croix. Donc c'est sympa, même le rideau, hein. Même le rideau là-bas, on est parti loin. On continue avec quoi, Loulou? Avec ça. Alors là, il y a l'éventail. Ouais, il y a l'éventail de maman. Avec les petits trucs de boules là. Oui, on a mis des boules sur les côtés. Donc je vous montre depuis un grand angle. Ah, depuis loin, du coup. Voilà, donc ça c'est bon, vous l'avez jamais vu d'ailleurs. C'est mon grand éventail. Et regardez. Avec le petit Père Noël, le chien action là qui est éclairé. Et on passe décor, la vidéo. Voilà. Alors voici le coin canapé avec tout Là où on filme Père en fait. Père Noël. Ouais, c'est là où on filme. Donc d'habitude, il n'y a pas la couverture sur le canapé quand on filme, il est blanc. Voilà. Le canapé est blanc. Donc là, on a quoi alors? On a une collection de Père Noël. Hein. Voilà, une petite collection en fait de figurines de Noël avec du petit Père Noël qu'on a depuis que Coco et Payonsen sont tout petits. Alors on commence par lui? Oui. Alors celui-ci, c'est le préféré de Corentin. Parce qu'il joue de la batterie, c'est pas marrant. Et c'est le préféré de maman aussi. Ouais, celui-là, je l'aime bien, il est marrant. Ouais. Ensuite, on continue avec l'autre Père Noël. Bah, les autres n'ont pas de pile, malheureusement. Oui. Donc celui-ci faisait quoi? De la guitare. Oui. C'était Océane, elle a joué beaucoup avec, il n'y a plus de guitare. Mais bon, il est quand même joli, non? Oui, il est très beau. Mais ça, en fait, je les garde parce que c'est sentimental, j'adore. Même s'il n'y a plus de pile, c'est pas grave. Hein. Même si on met des piles, il fonctionne. Hein. Ben oui. Mais bon, il a plus de guitare donc. Alors, lui, il a aussi plus de pile, mais sauf que lui, quand on appuyait ici, eh ben, il chantait et il dansait. Voilà, c'est ça. Il chante et il danse. Et lui, il marche et il prend des photos. Celui-ci, il marche et il prend des photos. Ouais, c'est un Père Noël vlogueur, on va dire. Et il fait ça. Je marche un petit peu. Et ça, ça fait de la musique. Et voilà, celui-ci. Maman avait craqué dessus il y a 2 ans. Mais, c'est ça. Mais par contre, c'est dommage que quand on le met sur la musique, que la neige, elle ne le vole pas, en gros, c'est dommage.
Oui, c'est dommage qu'en fait, il n'y ait pas la neige qui vole quand il fait pas de musique. Mais bon, il est quand même super. Moi, oui. J'adore celui-ci. Et derrière, on voit la petite décoration de Stacy qui nous a envoyé l'année dernière. D'ailleurs, je sais pas où il est, ça part. Bah, je pense que Clochette a dû jouer avec. Donc, on doit être derrière le canapé. On a mis aussi ça part, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, une petite déco. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo de demain, voilà. La vidéo de demain, c'est là-dessus. Oh. Et un petit Père Noël là-haut. Ah, et là-bas, on voit la photo des enfants quand vous êtes des bébés. Et voilà la photo du Père Noël. Vous savez, regardez, tout le monde, comme ils étaient mignons quand ils étaient bébés. Ils étaient beaux, là. Moi, je faisais que dormir. Ben voilà, on a fait le tour. Bah oui. Est-ce qu'on éteint les lumières pour montrer aux copains? Oui. Ouais. Allez, bon, on se retrouve une fois qu'on a éteint les lumières. Oui. Allez, à tout de suite. Quelle est votre décoration préférée? Alors moi, vous, c'est laquelle? Moi, c'est le Olaf. Le Olaf, moi aussi, c'est le Olaf. Le Père Noël aussi, qui avec les paillettes. En gros, c'est la partie où il y a le sapin et tout. Ouais, en fait, c'est tout, quoi. Voilà. Toute la grosse partie, ouais, c'est sympa. Alors dites-nous dans les commentaires quelle est votre déco préférée. Si vous aussi, vous avez décoré toute la maison, que le sapin ou pas du tout. Remarque, il y en a qui ne décorent pas. Mm-hmm. Dites-nous tout dans les commentaires. Nous, on va vous faire des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et aussi, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous, les amis. Il y a le chien à côté aussi. Bisous, ciao, ciao. Là, tu fais bisous, Rocky? Bon, non. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time.